Vous avez perdu quelque chose? Vous croyez? Pourquoi? Peut-être est-ce que je me suis égaré. Ce n'est pas quelque chose, mais quelqu'un. Quelqu'un? Oui. Une personne. Un être. Une part de moi-même. Ce n'était pas une chose. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je marchais dans la montagne. Mon regard accompagné d'un autre regard. Nous regardions vers la plaine. Un rivage. Un océan. Et il fallait bien redescendre de ces sommets. De la neige, non, il n'y en avait pas. Du sang sur la rocaille près de la source. Une biche, sans doute. Et là, posée sur la roche la plus grosse et la plus plate, un amas de chair comme un cœur. Vous l'avez pesé. Oui, avec le fléau de la balance. 345 grammes. Et puis, il y avait un amas comme un champignon, un parasite, comme une algue, qui emprisonnerait une vie claire et douce. Il n'était plus rouge, vif et clair, mais il était étrange. Oui, étranger. Je me suis lavé les mains à la source. J'ai entendu un cri, comme le cri d'un rapace. Et j'ai entendu comme un nom en écho. Quel était ce nom? Adénocarcinome. Ce n'est pas le cri d'une bête, vous croyez? Je n'ai pas la foi. Ce n'était pas du foie, mais un cœur posé sur la roche. Le rapace est passé dans son cri. Et une musique a pris la place. Une musique. Un chant. Une voix. Qui a franchi le petit pont. Tu pouvais marcher. À peine. Alors j'ai dansé. J'ai écouté la chanson de la bohème. Son regard, je l'ai cherché. J'ai couru. J'ai trébuché. J'ai marché. Sans marcher. En marchant. On t'a fait du mal. Rien n'arrête. Et ton regard, il meurt de ne pas voir celles et ceux qu'il aime. Alors, qu'as-tu fait? J'ai chanté, j'ai écrit, j'ai joué. C'était un dimanche prétentieux, oui. Peut-être.